C'est le chemin qui est important et c'est Ouais. pas, c'est gravir la montagne, pas Pas forcément la d'atteindre. destination. Ouais, exactement. Dans un petit théâtre de Central Park, lorsque le rideau se ferme, les marionnettes prennent vie. Ça y est, les amis, on est tranquille. C'est toujours très plaisant de faire cet exercice imposé, de devoir dire un texte et puis essayer de s'approprier le personnage. Et en l'occurrence, on a trouvé des persos qui nous ressemblent un petit peu, je dis un petit peu. Beaucoup vous a dit, c'est vraiment un ours naïf. Hein. Et Oh wow, qui ça commence et c'est quoi ce délire? Ah, on balade, vas-y, ok, on y va. Vas-y. Donc, et, tu vois, qui croit qu'il rappe bien et tout ça, et qui pense qu'il a un bon flow. Et en fait, bon, non, c'est juste une passion qu'il a. Mais il ne pourra jamais en faire un métier. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, pour moi, c'était vraiment jouissif de faire ce personnage-là parce que je savais que ça allait être un duo et moi, j'aime bien Ah, donc Anna, elle n'est pas trop dans. un trio, Ouais, je vois un ça. duo, mais un C'est pas duo avec bien. Anna. En même temps, non, on ne se Oui, connaît pas dans l'histoire, au départ. mais je veux dire, le fait de savoir que tu es dans le film, Ouais. moi, c'est. Ça t'a fait faire le Et là, film. je rigole même pas. Je rigole même pas. Et Anna Enlevé. Gerardo, je rigole même pas. Quand j'ai su qu'elle était dedans, j'étais trop content. Je croyais qu'on allait se Moi voir. aussi. Oui, je pensais qu'on allait se voir, mais c'est pas Oh, du tout. Is. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça très intéressant de faire un film d'animation parce que c'est toujours un peu des langages que nous, que moi, j'ai pas l'habitude d'exploiter dans la vie de tous les jours. C'est toujours un peu à hauteur d'enfant. Et moi, j'ai, en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. Même si j'en avais fait avant des films qui ont super bien marché, comme les Bad Guys. Bah moi, contrairement à ces superstars, j'avais jamais fait de voix d'animation. Donc c'était génial. J'avais envie de faire ça depuis très longtemps. Et c'est vrai c'est un exercice différent parce qu'on est obligé de s'adapter en fait à la gestuelle et au jeu du personnage tel qu'il a été dessiné et créé. Il te va Et bien ce perso d'ailleurs, je ouais, trouve. j'aime bien ce Vraiment, perso. ouais. Moi aussi, j'en ai marre de faire les demoiselles en détresse et je veux partir à l'aventure. Et voici Don, le rêveur de la troupe, qui aimerait découvrir le monde. Moi, je suis DJ Doggy Dog. Je suis DJ Doggy, je suis pas un bandit. Mais mes amis m'appellent. En fait, j'ai pas vraiment d'amis. Non, mais C'est un c'est film pas français assez, c'est déjà. pas assez. Et c'était C'est par le les créateur de scénaristes. Toy Story. Bah. Non, la vraie différence avec les autres films, c'est que là, en fait, ça parle de quelque chose qui est très simple et très primaire. C'est, j'ai envie de faire un truc. Tout le monde me dit, je suis un bouffon, je vais pas y arriver. Je vais dans la street, je rencontre un autre gars que tout le monde, à qui tout le monde parle mal. Et tous les deux, ils forment un duo incroyable et ils font des trucs de ouf. Nous, on est revenu à la base du cinoche et du film d'animation, Faut vivre qui ses est, rêves. voilà, vivre ses rêves, s'associer avec des gens qui sont pas de la même, du même bord que nous, je sais pas comment dire. Et voilà. Après... Non mais en tout cas j'apprécie l'effort. Moi je trouvais ça bien. C'est le chemin qui est important et Ouais. c'est gravir la montagne, pas Pas forcément la d'atteindre. destination. À Moi, je dédier le suis film. persuadée qu'on a autotuné ma voix à la chanson. Sérieux? Ouais, je suis persuadée. Mais Tu chantes pas bien. Tu chantes non. pas bien du tout. Alors que Arrête, là, j'ai vu Anna. le résultat et c'était magnifique. Tu crois que c'est pas toi? Je pense que ça a été un petit peu trafiqué. Non, arrête, Anna, dis pas ça. Me forcez pas à chanter pour mes. Non, mais Anna, moi j'aime pas que tu dises ça. Tu te Ouais, j'aime pas que tu déprécies. te Non, mais c'est vrai. mettes pas en valeur et que tu te déprécies alors que moi j'ai été là, enfin j'ai entendu ta voix à la Ouais, fin, moi elle est aussi. très bien ta voix. Ben Tu oui, chantes vraiment. bien en C'est fait, super. ta voix elle est lumineuse, elle est, je sais pas, elle est bien. Voix lumineuse, c'est la première fois que j'entends ça. Ensemble, ils vont devenir de vrais héros. Mais où sont passés les autres? Ils ont été emportés par des voleurs. Je trouve ça super que de toucher un public que j'ai pas l'habitude de toucher et qu'on me reparle de ces films-là, que il y a des adultes qui viennent me voir pour me dire, ah mon fils regarde Gang de requins tout le temps, regarde Les Inséparables. J'adore avoir une voix posée sur un truc qui va toucher les enfants. J'aime beaucoup ça parce que j'ai des enfants moi-même, donc je vois comment ils sont fans de films d'animation et du coup je suis content de transmettre ça. C'est génial, mais il y a des voix comme ça dont on se rappelle depuis très longtemps. Et même moi, je connais des personnes qui ont prêté leur voix à des personnages de dessins animés qui sont plus là et qui resteront tout le temps, toujours, parce que la voix, c'est quelque chose qui reste très longtemps. Une des premières choses qui m'est venue à l'esprit quand on m'a proposé de faire ça, c'était mes enfants direct. C'était faire un truc que mes enfants puissent regarder, je sais pas. Je suis trop content que mes enfants ils aillent au cinéma et qu'ils regardent un truc avec ma voix. Moi, je l'ai fait pour mes gosses. Après, pour le film, pour Anna, pour Eric Judor, tout ça. En avant! Les dessins animés, ça permet aussi de parler de différentes cultures, de différents pays, à travers avec
des personnages fictionnels, mmh. et donc ça peut parler à tout le monde, et puis c'est toujours des messages qui sont entendables pour les adultes, et puis il y a des choses géniales pour les enfants, donc c'est des films que tu peux voir en famille, et il y a peu de films au cinéma que tu peux aller voir avec autant de personnes différentes du foyer. Moi, tout de suite, je te dis direct Coco. Les couleurs sont sublimes, ouais. Mais moi, là, pour le coup, Kung Fu Panda, et pour moi, parmi les... Et surtout, l'écriture est dingue dans Kung Fu Panda. Le fond est dingue, tout... Les vannes sont incroyables, les cascades, enfin les scènes de combat sont démentes avec des beignets de crevettes et tout ça. Et c'est fou ce qu'on peut faire avec des beignets de crevettes aujourd'hui. N'ayez crainte, votre sauveur est arrivé. Et maintenant, qui est-ce qui va nous sauver? Déjà, il faut aller le voir au cinéma pour l'expérience de la salle déjà. Tu vas avec tes parents, tu vas avec tes potes, tu regardes un truc qui parle d'un sujet, qui te parle à toi. Je sais pas, je trouve l'événement du cinéma. Il y en a beaucoup qui disent que ouais, mais le cinéma c'est mort, ça appartient. Et l'expérience c'est pas du tout la même en fait. Fini, moi. Bon. Non, si, mais je vais dans ton sens. Vas-y, ouais. Je trouve que surtout pour de la comédie, on est ensemble avec des gens qu'on connaît pas à rire de même chose. On n'est pas isolé dans son coin et surtout on est un peu bloqué dans un endroit, dans le noir, si possible sans téléphone. Ça nous évite ça parce qu'il y a tout de suite de la lumière si on allume ça. Donc on est vraiment concentré sur un truc. Sans pause de viens, j'arrête, je vais me chercher un yaourt et tout ça. Et on est plongé dans cet univers beaucoup plus profondément que si on est sur une plateforme, sur son ordi. Oui, parce que surtout, un film comme celui-là, c'est un spectacle. Il y a des chansons, il y a de l'aventure. Et donc, un spectacle, ça se voit dans une salle, ça se voit avec plein de monde. Il suffit de voir à l'avant-première tous les enfants qui étaient comme des gamins devant et qui étaient super excités. T'étais pas à l'avant-première, toi? Toi non plus. c'est comme les personnages. Est-ce qu'on va mourir? Les légendes ne meurent jamais.